tous, bienvenue sur l'épisode 9 du podcast de Méthylène. Moi, je m'appelle Imelda et vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram sous le même pseudo Méthylène. Alors, au programme aujourd'hui, il n'y aura que du tricot. Parce qu'en fait, au niveau couture, j'ai commencé une robe, mais je ne l'ai pas terminée. Je l'avais commencé avant de partir en vacances et j'ai enchaîné boulette sur boulette. Donc je me suis dit, je vais la mettre de côté parce que là, ça n'allait pas du tout. Donc il fallait que je la reprenne à un moment où mon cerveau était capable d'avoir suffisamment d'énergie pour me concentrer sur la couture. Donc ça sera sûrement au mois de juillet que je vais la reprendre. Mais pour autant, j'ai quand même eu pas mal de temps pour tricoter parce que notamment en vacances, j'avais pris deux projets, même trois, à tricoter. Et puis après, quand je suis revenue de vacances, j'étais malade, j'ai eu une bronchite, enfin rien de grave, hein, mais c'est juste que comme je toussais, c'était un peu compliqué pour tourner. Enfin, j'avais des quintes de toux tout le temps, donc c'est pas agréable, quoi. Voilà, et puis après, le travail qui a repris, j'ai été prise dans le flux de la vie, ce qui fait que je suis pas revenue pendant plus d'un mois. Et donc, j'ai pas mal de trucs à vous montrer. Donc, on va commencer tout de suite. J'ai en fait deux projets terminés à vous montrer, deux projets en cours et un projet à venir, je pense, à peu près. On verra. De toute façon, tout sera en barre d'infos et je mets également les chapitrages comme ça. Ça sera plus simple pour vous si jamais vous voulez passer d'une partie à une autre. Alors, le premier projet terminé à vous montrer, et d'ailleurs on fait en deux en un parce que c'est ce que je porte. Donc c'est le top Cadakès d'Atelier Émilie que vous connaissez pas. Je vais me lever, faire le tour, comme ça vous le voyez porter. Hop. Voilà. Voilà. Ah oui, il y a des emmanchures. Hop. Voilà, voilà le top Cadakès. Donc j'ai tricoté dans la base d'une des aiguilles du hérisson. Hop. Donc c'est une fibre que j'avais achetée au laine en or et donc je suis allée plusieurs fois sur leur stand là, des aiguilles du hérisson, et ça m'avait vachement intriguée parce que c'est du 100% algue. Donc je m'étais dit, ah, c'est un truc que j'avais jamais vu nulle part. J'avais touché l'échantillon et je trouvais que c'était vraiment très doux, enfin vraiment très agréable. Donc je lui avais demandé si c'était possible de faire un échantillon de déca. Elle m'a dit, tout à fait, en fait, c'est une fibre qui se tricote. Parce que là, on est sur de la worsted. Hein. On est sur 180 mètres pour 100 grammes. Donc c'est de la worsted. Et elle me dit, non, enfin tu peux tricoter en déca, parce qu'en fait c'est une fibre qui va gonfler au lavage, donc elle va en fonction de ton échantillon plus ou moins gonfler, quoi. Donc voilà, comme j'y suis allée plusieurs fois, j'ai eu le temps de réfléchir, je me suis dit, ah, mais un top Cadakès d'Atelier Mini, c'est quand même plutôt pas mal. Donc mais en fait c'était les derniers c'était le dernier stand, enfin le en fait j'avais fait tout j'avais dépassé déjà mon budget et donc j'avais pas envie de reprendre une quantité trop onéreuse de fil. Donc j'étais partie sur deux écheveaux en sachant que je savais déjà que j'allais manquer de fibres. Parce qu'en fait il me fallait 400 mètres et là je suis sur 360 mètres. Donc je savais déjà dès le départ que je jouais à Yarn Chicken et que ça allait être compliqué, mais bah YOLO quoi. On verra bien. Donc j'ai fait quand même la taille 2 parce qu'en termes de, enfin là au niveau de du tour de poitrine, j'avais pas envie d'être trop serrée, enfin j'avais envie que ce soit un peu un petit peu loose, que j'ai un peu d'aisance, enfin j'avais pas trop envie d'être trop serrée, donc j'ai fait la taille 2, ce qui correspond pile poil à mon tour de poitrine. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et donc je l'ai fini cette semaine. Et du coup je l'ai tricoté, quand j'arrivais vers la fin de la deuxième pelote, je tricotais, je me dis, oh là là, je vais jamais avoir assez de fil. Donc je l'ai fini genre à minuit et demi mercredi, je l'ai direct mis dans l'eau, je l'ai séché en quatrième vitesse, je l'ai bloqué, enfin posé sur mon tapis de blocage, et puis je l'ai mis dans les, enfin je l'ai
je l'ai mesuré en tour de poitrine, je me suis dit, ah, c'est bon. Donc j'étire en longueur et je me suis dit, allez, on croise les doigts. Parce que quand je l'ai essayé avant blocage, ça n'allait pas du tout, il était trop, trop crop, ça roulotait, donc ça tombait vraiment pas bien. Et donc j'ai croisé les doigts et pendant le blocage, il était encore humide, je l'essayais, je me suis dit, ah, ça a l'air d'aller, allez, on le remet sur le tapis. Et donc ça, c'était mercredi soir, je l'ai pris samedi. Enfin, je l'ai vraiment bien essayé samedi, il était encore humide au niveau des bretelles, mais sinon au niveau du corps, il n'était pas humide. Et là, j'ai trouvé que ça allait bien. Donc voilà, j'étais soulagée, mais entre deux, j'avais quand même envoyé un message à la teinturière. Parce qu'elle était en train de mettre à jour sa boutique, parce qu'elle sort une collaboration avec Mélina in a Panda's World. Et donc je lui ai envoyé un message en me disant est-ce qu'il y aurait de la dune qui va sortir bientôt? Et elle me dit oui, je pense en remettre courant du week-end. Donc voilà, donc je me suis dit okay, enfin si jamais ça ne va pas au porté, je lui rachèterai un écheveau, mais j'avais pas envie parce que enfin clairement j'aurais utilisé un écheveau pour faire ça de corps quoi. Donc voilà, donc finalement je vais pas en reprendre, donc je suis plutôt contente, mais clairement, je vous recommande pas de faire ça, quoi. Donc moi, je l'ai pris en coloris non teint. Et ce qui est bien chez elle, c'est que les coloris non teint, elle les fait moins cher que ses coloris teints. Donc là, et puis c'est bien parce que c'est un coloris qui est blanc. Je vais, ouais, j'ai une page là. Vous voyez là, c'est une page blanche. Donc c'est pas tout à fait blanc, mais on n'est pas sur du écru comme là le coton écru. Vous voyez, c'est vraiment blanc, donc c'est plutôt pas mal. Donc le 100% algue non teint, moi j'aime vraiment beaucoup la couleur. Voilà, et puis alors au tricoté, j'étais un peu sceptique parce que c'était un peu irrégulier. Je me dis, ah là là, j'espère que ça va aller au blocage. Et puis c'est une fibre qui quand même se dédouble vachement parce qu'en fait on est sur trois fils retordus sur eux-mêmes. Enfin, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Donc trois fils qui sont eux-mêmes retordus. Hein. Vous voyez, là, hop. Donc il y a vraiment trois fils qui sont entortillés mais pas trop, et du coup quand on les tricote des fois ça, on peut piquer à travers les... Enfin là j'ai dû détricoter mon échantillon pour faire mon rabat, j'avais pas suffisamment de fils. Hop, je vais vous montrer. Mais vous voyez dans les mailles, j'essaie de vous montrer les mailles, en fait on voit que les fils se dédoublent. Et donc en fait, je pense qu'on peut pas tricoter ça sans regarder parce que on peut manquer une des fibres et donc enfin un des fils et du coup ça fait pas joli. Enfin si on voit qu'il y a un fil qui a pas été pris dans la maille, ça fait pas très joli. Donc moi à chaque fois que je tricotais, je regardais quand même mon tricot. Mais une fois qu'il est bloqué, enfin une fois que la fibre est bloquée, c'est vraiment, enfin ça gonfle quand même pas mal. Et ça lisse quand même les irrégularités. Non, vraiment, c'est... Enfin, j'adore la fibre, le tissu que ça fait. Vraiment, c'est hyper agréable. Néanmoins, je trouve que pour les fortes chaleurs, ça reste quand même un tissu qui est épais. Enfin, on est sur de la DK slash worsty, donc forcément... Le tissu est épais malgré la fibre qu'on utilise, hein, forcément. Et donc, je ne sais pas si je porterai ça. Plus de 25 degrés, je ne sais pas si je porterai ça. Clairement, c'est peut-être un peu trop épais, quoi. Vous voyez, là, il fait 20 degrés à peu près aujourd'hui. Et c'est pile poil ce qu'il faut. Voilà. Mais j'adore vraiment le toucher du tissu est vraiment très, très agréable et très brillant. Voilà, alors en termes de construction, c'est une construction qui est, alors pour les débutants, peut-être pas en premier projet, mais c'est pas une construction qui est compliquée. On apprend des choses qui sont quand même intéressantes, notamment le montage provisoire, parce qu'on commence, je crois, non c'est dans le gauche, enfin bref, peu importe. Mais on commence par le derrière gauche, là on monte provisoirement des mailles, genre une vingtaine de mailles, puis on tricote... la bretelle. D'ailleurs, je vais me rapprocher pour vous la montrer. Elle est vraiment trop belle, cette bretelle. Donc, c'est deux torsades qui sont
séparée par une maille torse. Donc c'est très joli, je trouve. Et donc une fois qu'on a fini la bretelle, on a un nombre de centimètres à respecter. On commence avec le demi devant gauche et on fait des augmentations selon le côté, donc en manchure, en colure, avec des comment dire, enfin on répète, enfin voilà, c'est d'abord on fait des augmentations pour en colure et ensuite on fait en colure et ensuite on fait en colure plus en manchure, voilà, mais c'est pas compliqué. Hein. Voilà, donc on finit juste ici. Une fois qu'on a fait cette partie-là, on coupe le fil, on reprend les mailles qu'on a justement montées provisoirement ici et on fait la même chose. Donc c'est exactement la même chose mais en miroir de l'autre côté. Voilà, une fois qu'on a fini le côté gauche, on fait la même chose pour le côté droit. Et puis quand on a fini le côté droit, donc là ici, on va tout rejoindre et pour rejoindre entre les demi-devants, les demi-devant droite et gauche et les demi-dos droite et gauche, on a une petite subtilité là. Là, il y a un petit truc qui fait qu'on a une finition super jolie et on a des mailles à monter pour le dessous des bras. Voilà. Donc, d'ailleurs, pour le dessous des bras, il y a des personnes qui ont eu des problèmes de roulotement. Enfin, en fait, ça c'était pas tout droit. Et donc, Émilie, dans son patron, elle recommande de relever des mailles et de tricoter, je crois. Attendez, je reprends le patron. Mais je pense qu'elle recommandait de tricoter avec... de tricoter, de rabattre directement. Et ça permet de resserrer un peu ou de mettre un fil élastique. Donc moi, si j'avais le problème de roulotement ici, j'aurais davantage fait un rang de mailles serrées au crochet. Je fais souvent ça quand j'ai des choses qui baillent un peu au tricot. Je reprends au crochet, je fais... Non, pas des mailles serrées, des mailles coulées. À chaque fois, je me plante des mailles coulées. Voilà, donc si j'y pense, je vous mettrai un tuto en barre d'infos. Voilà, mais moi, j'ai pas ce problème-là, donc j'ai rien fait. Et donc après, une fois qu'on a mis... qu'on a rejoint tout, c'est du jersey en rond, donc... du zéro cerveau, et puis à la fin, en fait, on fait un rang de mailles envers et on rabat directement. Il n'y a pas de finition spéciale pour le bas, je vais vous remontrer. Hop. Voilà, donc c'est plutôt facile. La seule difficulté, ça réside dans le montage provisoire au crochet, et vous savez, enfin, moi j'en ai déjà parlé dans mes épisodes, mais c'est un truc, moi, qui me... En fait, j'ai un souvenir périlleux d'un projet que j'avais fait. Je pense que c'était le Alocasia de Marie-Amélie, où je me souviens... Bah, je sais pas si c'est lui, mais c'est peut-être un autre. Mais je me souviens qu'en fait, mon rang ne se dévissait pas. Enfin, j'avais beau tirer sur le fil de contrastant que j'avais utilisé pour en faire mon montage provisoire, ça n'allait pas. Alors du coup, je crois que j'avais coupé chaque maille. Enfin, c'était un enfer sur terre, cette histoire. Et du coup, dès qu'il y a un montage provisoire, j'appréhende le truc, quoi. Mais finalement, enfin, ça se fait bien. Il faut juste prendre le temps de bien reprendre ses mailles. Mais c'est pas évident quand même sur ce projet-là, parce que comme il y a les torsades, ça a tendance à resserrer et à twister de ce fait les mailles du montage provisoire, donc c'est pas évident, et c'est en ça que du coup c'est peut-être pas un projet totalement débutant quoi. Mais pour un deuxième, troisième projet, pourquoi pas, si toutefois vous avez quelqu'un autour de vous qui peut vous aider, si jamais vous êtes complètement bloqué, voilà. Voilà, mais sinon, à part ça, il n'y a pas de difficulté. Les torsades, elles se font plutôt bien. C'est des torsades sur 3 mailles, donc c'est pas compliqué. Faut juste pas se planter sur quand on met devant ou derrière, mais à part ça, rien de bien compliqué. Et alors moi, du coup, ouais, la modification que j'ai faite, c'est la longueur sous un manchure, parce que j'étais en rade de fil, hein, il me reste plus que ça, quoi. Donc j'ai fait 20 cm après l'emmanchure, donc c'est très crop. Je fais 1m56, donc j'ai un petit buste, donc je peux me permettre de faire des tricots assez courts, et vous voyez que ça tombe quand même assez bien, je vais vous montrer. Mais ça tombe juste en dessous
de là c'est enfin je porte tout le temps des tailles hautes donc j'ai ça en fait hop en plus voilà mais du coup en fait quand j'ai acheté les écheveaux je me suis dit ben je vais essayer quand même dans deux écheveaux parce que Émilie d'Atelier Émilie elle a tendance à faire des bustes qui sont assez longs je pense que elle doit être plus grande que moi déjà. Et elle doit avoir un buste plus long. Donc j'ai eu le coup sur le Hirati et sur le Camé qui sont un peu longs. Mais le gilet Camé, comme c'est un gilet, c'est pas trop grave. Le pull, comme je le porte en hiver, bah, je le rentre dans mes pantalons. Et donc j'avais pris le risque de prendre que deux écheveaux en me disant que dans tous les cas, je voulais raccourcir le cadacès. Finalement, je suis plutôt contente. Hein. Vraiment, c'est pile poil comme il faut. Je pense que si c'était plus long, bah, je l'aurais porté rentré dans mes pantalons et dans mes jupes, finalement. Donc voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Je pense que j'ai tout dit. Pour les aiguilles que j'ai utilisées, bah, avec l'échantillon, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup trop lâche. Enfin, vraiment, je tricote lâche. J'ai descendu d'un quart de taille d'aiguille par rapport à Emily. Ouais, je pense qu'elle a dû faire en 3,5. Et moi, je suis en 3,25. Et c'est nickel quoi. Ou peut-être j'ai encore peut-être une demi-maille en trop, un truc dans le genre. Mais c'est pas aberrant quoi. Ouais, 3,5. Donc j'ai descendu d'un quart de taille d'aiguille par rapport à Emily. Mais ça, je le sais, de manière générale, je tricote assez lâche. Voilà, pour le premier projet terminé. Je suis trop contente. Comme tous les projets terminés que j'adore, j'ai envie de me refaire d'autres versions, mais je sais pas trop si je. Enfin, en tout cas, là, à l'heure actuelle, dans mon stock de laine, j'ai pas d'autres laines qui pourraient. Ah si, j'ai une quantité fingering que je pourrais doubler. J'ai deux écheveaux de chez Pauline, Bulbe Bizarre, que je pourrais utiliser pour refaire ce top-là. J'ai pas encore défini de projet d'ailleurs pour ces deux écheveaux. Je voudrais me faire un top, mais je ne savais pas lequel. Je vais quand même essayer de changer, même si j'aime vraiment beaucoup hein, ce petit top d'été. Voilà, et je suis contente aussi du 100% algue là. C'est une belle découverte quand même. Hein. Voilà. Alors, je vais boire un coup, j'arrive. Alors, deuxième projet terminé, c'est un projet dont je vous avais déjà parlé, notamment pour le choix de combo de laine que je voulais faire parce que je n'étais pas certaine. Donc, c'est le Fiber Fest Shawl de Steven West. En fait, j'avais acheté un combo déjà tout prêt de chez Pauline pour faire le brioche pour le thé, je crois, le châle. De même les anges tricotent. Et en fait, quand j'ai vu la forme finale du projet, j'étais un peu sceptique parce que moi, je pense que ça m'irait pas, quoi. Mais j'avais toujours en tête que dans tous les cas, quand j'ai acheté le combo, je savais que dans tous les cas, il y avait d'autres projets qui pourraient aller avec ce combo-là, et notamment le Fiber Fest Shawl que j'avais vu chez plusieurs podcasteuses. Il y avait. Qu'est-ce qui avait fait ça? Il y a Mélanie des Aiguilles Aventuras que. Enfin, j'ai adoré sa version et je me suis dit, oh là là, trop beau. Et chaque semaine, je me suis dit, oh là là, trop beau, il faut que je le fasse. Et puis, qu'y avait d'autres? Il y avait Karine de la Miss Knitter aussi qui a fait. Je pense qu'elle l'a peut-être même fait deux fois d'ailleurs. Elle l'a fait une fois, c'est sûr. Enfin bref. Et à chaque fois que je les voyais, je me disais, mais il faut que je me fasse ce projet-là parce qu'il est trop beau. Et puis après, c'est Sabrina Choupi qui l'a mis sur Instagram. Alors je sais plus si elle l'avait commencé. Enfin bref, je sais plus. Mais en tout cas, elle avait mis un post sur Instagram et j'avais commenté en disant ah mais ce châle, je pense que je vais le faire bientôt. Et elle a été super gentille, elle m'a offert le patron, donc je te remercie Sabrina, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et donc là, j'avais plus le choix, il fallait que je le fasse. Donc j'avais ce combo-là plus deux écheveaux que j'avais achetés aussi chez Pauline. Et donc je vous avais montré, je ne savais pas exactement ce que j'allais faire parce que toutes les laines de Pauline vont ensemble, c'est juste, c'est magique en fait. Hein. Quand on prend un écheveau de Pauline, on peut l'associer avec plein d'autres trucs, enfin c'est trop bien. Et finalement, bah, je suis restée sur le combo initial parce que bah, moi c'est toujours ça, c'est j'ai un truc initial, des options parallèles et puis je reviens tout le temps sur mon idée principale, enfin primaire. Et donc je suis partie sur ce qu'on. Bah, je vais vous montrer. Voilà, ce sera plus simple. Tadam!
Il est trop beau, je suis trop contente. Il est trop beau, vraiment, il est trop trop beau, je suis trop contente. Et je suis vraiment sortie de ma zone de confort parce que clairement, c'est pas des laines que j'aurais tricotées il y a 6 mois de ça, quoi, clairement. Enfin, des couleurs. Parce que, enfin, je sais pas si je vous avais dit, mais avant de faire ce podcast, moi, je tricotais beaucoup de couleurs neutres, de couleurs soit rose, marron, blanc. J'ai tricoté un gilet, deux gilets noirs. Donc voilà, je sortais pas du tout de ma zone de confort. Et en fait, à force de voir Mélanie, Pauline, donc Mélanie des Aiguilles Aventurières, Pauline de Bulbe Bizarre, et puis il y a une fille qui est plutôt côté couture, mais que j'adore, c'est Charlène, je crois. Oui, Charlène de Chassaine, qui font, enfin, toutes les trois, elles font beaucoup de projets colorés, et en fait, ça m'a donné envie de mettre de la couleur dans ma vie, et donc, je me suis lancée, et clairement, j'ai envie de tricoter que des trucs colorés maintenant. Voilà, je suis contaminée, mais ces coloris sont juste incroyables. Alors, tout le monde me dit de prime abord, c'est pas des coloris que j'aurais associé, mais en fait, ensemble, ils sont juste sublimes, quoi. Et oui. Et la teinture de Pauline, mais. Oh ah là là. Vraiment, ton travail, Pauline, j'adore, quoi. C'est une œuvre d'art. Vraiment, je pourrais le contempler, passer des heures à le contempler, quoi. Alors, pour les coloris, j'ai utilisé ces coloris-là. Hop, j'ai caché ma tête. Voilà. Bougainvillier, Bloomingdale's et Retro Yellow de Bulbe Bizarre. Alors, le bougainvillier, c'est le coloris que je voulais mettre en avant absolument parce que je l'adore ce coloris. C'est ce coloris-là. Voilà, qui est vraiment couleur bougainvillier hein, pour le coup. Ensuite, le Bloomingdale's, c'est un coloris de printemps que je pense vous ne pourrez plus retrouver. Mais un coloris qui ressemble. Oui, je pense que c'est un coloris qu'elle sort, enfin qui est plutôt permanent dans sa palette de couleurs. Fall Blush, qui ressemble un peu, mais qui est un peu plus peps que Bloomingdale's. Donc si jamais ça peut vous intéresser, ça peut un peu remplacer le Bloomingdale's qu'on a là. Voilà. Et puis le Retro Yellow. Voilà, qu'on voit bien derrière. Voilà. Et donc le Retro Yellow, c'est la couleur. Enfin, en fait, j'avais pas envie qu'elle ressorte de trop. Et donc, tout le long du châle, je me suis posé la question si tout à la fin, là, quand on a le Bloomingdale's et le Retro Yellow, si je n'allais pas inverser. Et arrivé à la fin, ici, je me suis dit, ah non, je vais garder comme dans le patron. Sauf qu'en fait, mon cerveau. N'était pas connecté, les neurones n'étaient pas branchés correctement. Et en fait, j'ai continué avec le Retro Yellow ici, sauf qu'en fait, il fallait inverser, il fallait commencer par le Bloomingdale's. Et quand je m'en suis rendu compte, eh ben, j'avais la flemme de détricoter parce qu'on est sur plus de 500 mailles et je me suis dit, bah voilà, c'est que il fallait faire comme ça, quoi. Ça devait être fait comme ça, voilà. Et finalement, j'en suis pas mécontente hein, d'avoir mis Retro Yellow en couleur de derrière là. Vraiment, ça rend trop bien quoi. Voilà. Alors, pour la construction du châle, on est sur un châle demi-lune. Donc, c'est un châle, enfin, la construction de châle que j'aime beaucoup porter. Parce que d'ailleurs, je ne l'ai pas porté, je vais vous le mettre tout de suite. Hop. Voilà. Oh, il est trop beau, vraiment. Oh, j'adore. Voilà. Des fois, il se met pas très bien là, il rebique, mais c'est pas grave. Il est vraiment trop beau. Voilà. Alors, pour la construction, donc on est sur un châle demi-lune. Donc, ce que je vous disais, c'est que moi, c'est les formes de châle que j'adore porter. À faire, c'est vrai que c'est pas forcément ce que je préfère parce qu'on. On débute avec peu de mailles, donc ça va. Mais plus le châle avance, et plus on a de mailles. Donc c'est de plus en plus long, 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 long. Mais ce châle-là, jusque avant cette partie de brioche, en fait jusqu'ici, là, il est quand même assez rapide à tricoter parce qu'on a des rangs raccourcis. Donc en fait, on commence par la couleur principale, la couleur A.
Bloomingdale's. Ensuite, on enchaîne sur du. Enfin, en fait, on a des alternances de jersey et de points qu'il appelle Tiny Bubbles, qui sont pas compliqués à faire. Et dans cette section de Tiny Bubbles, en fait, on fait un premier rang où on va jusqu'à quasiment à la fin, là. En fait, chaque trou, c'est là où on s'arrête à chaque fois, donc on va jusque là. Et puis, on fait des rangs raccourcis. Donc, on fait au fur et à mesure, en fait, on va de moins en moins loin. Et quand on finit la section, en fait, il nous reste très peu de mailles. Donc, ces sections de Tiny Bubbles sont assez rapides à faire. Ensuite, on a de la brioche. Donc là, c'est de la brioche bicolore avec notre coloris A et notre coloris C. Et c'est pas compliqué parce qu'on a juste des augmentations en début et en fin de rang sur l'endroit. Sur l'envers, il n'y a pas d'augmentation, donc c'est assez facile. Et puis après, on recommence les tiny bubbles, la brioche, les tiny bubbles et la brioche. Et sur la dernière section de tiny bubbles, c'est effectivement les premiers rangs peuvent être longs parce qu'il faut faire toute l'envergure du châle. Mais en fait, encore une fois, à chaque fois, en fait, on s'arrête de moins en moins loin. Et à la fin de la section de Tiny Bubbles, là, ça va hyper vite. Hein. Les derniers rangs, là, c'est hyper rapide. Donc, c'est super motivant. Moi, j'ai vraiment adoré. Mais c'était un régal, un pur régal à tricoter jusque-là. Et après, pour la section pour la bordure, on a une bordure en brioche et des stripes. Comment on appelle ça? Donc des rayures avec du point, enfin c'est des mailles en vert ici. Donc ça fait ressortir, ça fait un peu un effet point de gaudron, je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà, et alors là, la partie en bordure, en brioche, peut être un peu longue à tricoter, mais moi j'adore la brioche, donc je vous avoue que cette partie-là, j'ai adoré la tricoter, mais je sais que. Je le tricote en cale d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, je le tricote en cale avec des filles et il y en a une notamment qui disait ah, c'est super long, et effectivement les rangs sont longs parce que là du coup à partir de la bordure en brioche on fait tous les mailles de toute l'envergure du châle, donc on est sur 500 mailles à chaque fois, à chaque rang. Donc là, je crois que j'avais regardé combien de temps je mettais pour faire un rang et je mettais environ 15 à 20 minutes selon le rang, quoi, à partir de là, tous les rangs. Donc c'est quand même très très long, mais moi j'ai adoré ça. Donc j'étais encore en vacances hein, quand j'ai tricoté ça, donc je l'ai tricoté quand même très rapidement ce châle. Et puis par contre, cette bordure là, en stripes, en points en vert et points en droit, ça a été vraiment très 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 long à faire. Pourtant, on dirait pas, hein, s'il y a que quelques rangs, en vrai c'est pas très long, mais c'était interminable. Vraiment, j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir, mais j'ai tenu bon. Je me suis dit, allez, vraiment, il reste pas grand chose à faire, faut y aller. Et pareil sur le groupe du cal, après on m'a dit, tu verras, il y a un rabat en i-cord qui est interminable. Mais finalement, en fait, moi j'ai adoré faire l'i-cord parce que ça révélait au fur et à mesure le châle. Et en fait, plus je rabattais, plus je le voyais se déployer et je me disais, ah, mais quelle magnificence! Vraiment, il est magnifique ce châle. Donc, non, ça a été vraiment un bonheur. L'icorne, moi, j'ai vraiment aimé le faire. Mais si vous n'aimez pas l'icorne, clairement, ça va être long. Donc, voilà pour les points techniques. C'est pas un châle compliqué. Je pense qu'il est quand même abordable parce que dans le patron de Steven West, il y a tout le temps des vidéos pour vous référer pour chaque point technique. Donc par exemple les Tiny Bubbles, je pense d'ailleurs qu'elles sont en accès libre, hein, donc vous pourrez regarder comment faire les Tiny Bubbles. Je pense que la brioche aussi, enfin vraiment. Alors moi je m'y suis pas référée parce que je trouve que son patron était suffisamment bien expliqué. Et puis j'avais pas forcément tout le temps accès à internet parce que je l'ai tricoté en vacances, donc j'avais pas tout le temps internet, donc j'ai vachement fait par rapport à ces explications écrites et ça allait très bien franchement. Donc voilà, je l'ai déjà porté plusieurs fois hein, malgré tout, même si il commence un peu à faire chaud, enfin, on a eu 2-3 jours de grosse chaleur ici dans le nord, c'était insupportable d'ailleurs. Mais sinon on a quand même, par exemple
En soirée, ça retombe vachement, il fait 16 degrés le soir, donc sur une veste, ça rend, enfin, je trouve que ça rend hyper bien sur des tenues plus neutres. Donc j'ai une veste blanche avec laquelle ça matche super bien. Donc voilà mon Fyber Fest Shawl. Voilà. Et je pense que je me suis plantée sur certains trucs, genre les tiny bubbles, c'est la deuxième section, je me suis plantée, mais on voit rien du tout. Franchement, je sais même plus est-ce que je me suis plantée. Je pense que ça doit être. Non, ça doit être par là-bas. Ça doit être quelque part ici, j'ai dû me planter et on voit rien. Voilà. Désolée. Je tousse encore un petit peu, c'est. Les reliquats de ma bronchite, mais j'ai plus rien. Voilà pour les projets terminés. Donc on va passer au projet en cours. J'ai deux projets en cours. Hop, voilà. Je vais voir un coup aussi. Alors le premier projet en cours dont je voulais vous parler et que vous connaissez parce que je pense que je vous l'avais, oui, je vous l'avais déjà montré, commencé la dernière fois. C'est le Maybe Lily Tank de Massimil. J'imprime pas. D'habitude, j'imprime pas les patrons. Mais comme là, je partais en vacances et que je savais que l'accès internet allait être pas facile, ben, j'imprime les patrons. Donc, c'est ce projet-là. Mais quand j'imprime les patrons, j'imprime pas la page où il y a la photo parce que ça consomme pas mal d'encre. Voilà, donc ça doit être un des derniers designs de Massimil sur lequel on a craqué avec Angélique du podcast Mademoiselle Angélique Knit. En fait, je pense qu'on l'avait repartagé toutes les deux en story Instagram. On l'a vu toutes les deux et on s'est dit « Ah, mais il faut qu'on tricote ensemble ». Donc, elle a dû le sortir un mercredi et le samedi, on avait commandé toutes les deux la laine, enfin la fibre, donc on a toutes les deux pris le fil recommandé, donc c'est la quattro de langue et moi j'ai choisi la même couleur, hein. C'est le coloris écru, je pense que c'est le numéro 2. Voilà, donc c'est le même coloris que sur le sur le projet de Massimil, hein. J'ai pas été du tout très créative sur ce coup-là, innovante, parce que vraiment, enfin, j'adore les tops beige et blanc, enfin, c'est ce qui va avec tout en été, je trouve, donc voilà. Et bah, j'ai fini de le tricoter, mais il me reste les finitions à faire. Et je procrastine mais un truc de ouf dessus, parce qu'en fait, Angélique a eu plein de déconvenues dessus. Ah, attendez. Exactement ce que je vous disais, je pense que je vous parlais de la couleur. Et donc je le tricote en duo avec Angélique de Mademoiselle Angélique Knit. Donc elle le tricote dans un coloris rose, un peu peps il me semble. Et moi du coup je le tricote dans le même, enfin je l'ai tricoté dans le même coloris que présenté par Massimil parce que vraiment j'adore le beige. Et alors en fait je l'ai commencé avant les vacances. Oui, je l'ai commencé le 19 mai, j'ai noté. Et j'avais pour ambition qu'il soit terminé pour mes vacances. Hein. C'était complètement illusoire cette idée. Et au final, j'ai fini de le tricoter quand j'étais en vacances. Et entre deux, Angélique m'envoyait des. Je crois que c'est comme ça que ça s'est passé, je sais plus exactement. Mais je crois qu'elle m'avait envoyé un message en me disant oh là là, je l'ai bloqué. Enfin, elle avait bloqué, elle a fait un blocage intermédiaire pour voir si elle devait rallonger ou pas en termes de longueur de buste. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il est vraiment court. Je vais vous passer après, mais il est vraiment court en termes de long. Il est vraiment court en termes de longueur. Et donc, elle se posait la question si elle devait le rallonger ou pas. Et elle avait fait un blocage intermédiaire, sauf qu'en fait, il ne s'est pas rallongé en hauteur. Il s'est élargi en largeur. Donc elle m'a envoyé un message en me disant « Oh là là, la catastrophe, il a pris 10 cm le truc. »
Donc moi je me suis dit, oulala, je vais attendre d'être chez moi en France, le bloquer tranquillement, et en fait ça m'a pris. Enfin, j'ai attendu, j'ai procrastiné à chaque fois parce que je me suis dit, ce projet, ça va être l'enfer s'il faut tout le refaire. Parce que elle, du coup, comme elle a 10 cm en trop, elle a calculé, il faut qu'elle descende de 3 tailles. Donc là, le tricoter, je crois, en taille 5, et elle doit le tricoter maintenant en taille 3, quoi. Enfin, c'est complètement fou. Et moi, je le tricote en taille 2. Et donc, je me suis dit, mais si je dois le descendre de 3 tailles, ça va pas le faire, quoi. Donc, je l'ai bloqué et finalement, moi, là, pareil qu'elle, il a pris 10 cm en largeur. Donc, il est encore mouillé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré et là, j'ai vu qu'il avait pris 10 cm. Donc, j'ai étiré dans sa hauteur pour que la fibre se rétracte en largeur et ça a plutôt bien marché parce qu'au final, il a pris que 5 cm en plus par rapport à avant le blocage. Donc ça tombe plutôt pas mal, je vais vous l'essayer parce que je l'ai pas terminé parce qu'il manque juste de coudre les bretelles et de coudre les boutons. Clairement, c'est l'histoire de même pas une demi-heure, je pense. Mais je vous dis, hein, ce projet-là, j'ai procrastiné parce que vu les problèmes qu'a eu Angélique, je me suis dit, oh, flemme. Voilà, et c'est bien comme je le porte au-dessus du top cadakès, vous allez voir. Ouais, qu'il est vraiment court, celui-ci, il est encore plus court. Hop. Ouais, parce que si je le tends, il est plus court, hein, vous voyez, par rapport à mon truc là. Voilà, et donc il manque juste les boutons et de coudre les bretelles. Et j'ai même rentré les fils et tout, enfin, vraiment, voilà. C'est pas grave, je vais le faire là tout à l'heure si j'ai le temps. Mais en fait, enfin, ce genre de finition, je préfère les faire, enfin, je sais pas que je préfère les faire, mais je préfère faire autre chose que faire les finitions, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et alors, en termes de construction, donc on commence par le bas. Donc, ce qui est vraiment l'étape la plus chiante du projet, c'est le montage. Parce qu'en fait, on fait un montage en I-corn. Et on a genre 150 mailles à monter en I-corn. Moi, j'avais jamais fait ça. Et franchement, c'est chiant. J'adore faire des rabats en I-corn, mais des montages en I-corn, surtout avec du coton, ça fait mal aux mains. Donc, en fait, ce que je faisais, c'est que je faisais ce projet-là. Et j'alternais avec je sais plus quel projet je faisais à ce moment-là. Et du coup, j'ai fait le montage en 3 soirées parce que, enfin, je pouvais pas, mes mains, elles me faisaient mal, quoi. Et d'ailleurs, j'ai pris peur, je me suis dit, c'est comme ça pour tout le projet, si j'ai mal, ça va pas le faire, quoi. Donc, bon, j'ai fini le montage, je me suis dit, allez, on va essayer de faire la première répétition de dentelle, et là. Génial, j'ai adoré vraiment. Par contre, sur l'échantillon, je m'étais déjà fait la réflexion que j'allais pas faire la méthode de Massimil pour les nopes parce que, elle préconise de faire les nopes avec un crochet. Donc en fait, on tricote en jersey et une fois qu'on arrive sur notre maille où il faut faire la nope, on prend le crochet et on fait tout avec le crochet. Alors que moi, j'avais vu une méthode où on fait les mailles, enfin vous savez, vous tricotez plusieurs mailles dans une seule, vous les faites au tricot et après le rabat se fait avec le crochet. Donc ça, c'était une méthode que j'avais vue et après il y avait une autre méthode où on fait tout au tricot, enfin avec les aiguilles à tricoter. Et en fait là, tout faire avec une aiguille, enfin un crochet, moi j'ai pas du tout aimé sur l'échantillon. Donc j'avais contacté Angélique en lui disant, est-ce que tu as une méthode pour faire les nopes? Parce que alors moi, je me souviens plus comment je faisais les nopes, parce que ça fait des années que j'en avais pas fait. Et puis là, ce qu'elle préconise, j'aime pas du tout la façon dont elle fait ça. Donc elle m'a envoyé une vidéo de Lolita, Loli l'a fait, et franchement, sa méthode, elle est super. Donc je pense que maintenant, dès que j'ai des nopes à faire, sur n'importe quel projet, je vais reprendre cette méthode-là parce que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'en plus, les nappes sont bien formées. Parce qu'il y a certaines méthodes où en fait ça fait des nappes un peu plates. J'ai souvenir d'un
pull de chez Irène Lynn que j'avais fait avec des nappes. Enfin, il y a un yoke avec de la dentelle et des nappes, et en fait, ça fait des nappes qui sont plates, la méthode que j'ai faite. Donc, j'aime pas du tout, et là, ça fait bien bomber. Donc, j'aime vraiment bien. Oui, c'est bien bombé. Voilà. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé, et du coup, en fait, c'est cette partie-là du corps. Elle a avancé hyper vite. En plus, du coup, comme je le fais dans une taille, une petite taille, c'est vrai que moi, ça avançait hyper vite. Alors que Angélique, elle me disait, mais c'est interminable. Et je la comprends. Enfin, si elle a. Moi, j'avais déjà 150 mailles, donc c'est vrai que c'est pas rien. Mais j'imagine, elle, pour la taille 5, elle devait avoir, je sais pas moi, ça, je sais pas combien en plus, peut-être ça, quoi. Et enfin, ça en plus, je sais pas. Deux répétitions en plus, je sais pas. Mais ouais. C'est vrai que ça devait être long. Mais une fois qu'on a terminé le corps, en fait, ça va hyper vite parce que les demi-devants, là, les petits triangles, c'est super rapide. Et on fait les I-cords dans la foulée. Et pareil, l'I-cord, ça a été très rapide parce que il n'y a pas beaucoup de longueur à faire. Et comme on est sur une fibre qui est assez épaisse, bah, ça va très très vite. Voilà, et puis une fois qu'on a terminé ça, donc on laisse un peu de fil là sur les bretelles pour les coudre. Normalement, ça prend 2 minutes à coudre, hein, clairement. Voilà. Et puis après, pour les boutons, il y a des boutonnières à faire. Alors, elle recommande d'en faire 6. Mais moi, je trouvais que 6, ça faisait beaucoup sur une petite surface comme ça. Enfin, ça faisait trop de boutons. Donc, j'en ai fait que 5. Et en fait, il faut faire au crochet des mailles en l'air. C'est genre 5 ou 6 mailles en l'air. Enfin, selon la taille de votre bouton, finalement. Vous adaptez. La boutonnière à la taille de votre bouton, et puis vous faites un nœud là. Enfin, elle explique bien. Il y a une vidéo aussi. Hein, le patron de Massimil renvoie sur une vidéo qu'elle a tournée, et franchement, c'est bien expliqué. Donc, ça, c'est bien. Et donc, j'ai plus qu'à coudre les boutons en vis-à-vis, et puis à coudre les bretelles, et puis ça sera terminé. Voilà. Ah, non, il y a encore un truc que j'aimerais faire parce que je vous avais dit. Je pense dans mon épisode précédent que mon montage en I-cord n'était pas hyper régulier. Et du coup, le premier rang, là, ici, il est super lâche. Là, on voit bien. Vous voyez, là, les mailles. Donc, ce que j'avais commencé à faire, c'est de retirer ces mailles-là trop lâches et de redistribuer un peu partout le fil. Et ça fonctionne très bien. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus régulier. Et là, on commence à être sur des mailles lâches. Il faut que je fasse ça tout le long si j'ai la foi de le faire. En vrai, on voit pas trop. Hein. Enfin, c'est pas hyper hyper visible. Je pense qu'il y a que moi qui le sais et vous maintenant. Mais portée, je suis pas sûre que ça se voit. Donc je vais finir toutes les finitions, bretelles plus coudre les boutons. Et après, si vraiment ça me dérange, je reprendrai tout l'I-cord. Mais si ça me dérange pas, je pense que je laisserai comme ça et ce sera terminé parce que c'est vrai que c'est un projet. Enfin, je suis contente de le faire avec Angélique parce que je pense que toute seule, ça aurait été un peu. Enfin, quoique, je sais pas. C'est peut-être Angélique qui m'a fait peur finalement. Non, mais je suis contente d'avoir son retour d'expérience parce que c'est vrai que si je l'avais laissé avec ces 10 cm là post-blocage, pardon, que j'avais pas trituré la fibre dans tous les sens, finalement, peut-être que j'aurais eu le même souci qu'Angélique. Hein, donc. Non, je suis contente de l'avoir fait avec Angélique parce qu'au moins on se motive mutuellement. Enfin, c'est super sympa. J'adore tricoter en duo, c'est trop génial. Donc voilà, Angélique, courage, force et courage à toi parce que. Enfin, je sais plus si je l'ai dit là parce que j'ai retourné cet épisode plusieurs fois, alors je suis perdue dans ce que je vous ai dit. Mais Angélique, du coup, elle l'a tricoté en taille 5. Elle a eu 10 cm en trop et du coup, elle sait pas trop si elle doit le refaire 3 tailles en dessous ou si elle essaie de le rebloquer, le tirer en hauteur pour que ça se rétracte. Enfin, donc si ça se rétracte pas, je pense qu'elle va devoir le retricoter, mais elle a pas du tout le courage. Donc, allez, je t'envoie tout mon courage, Angélique. Voilà. Mais en tout cas, une fois qu'il sera terminé, je pense que ça va être un projet que je vais adorer porter parce que il est vraiment super beau. Enfin, vraiment, ce panneau de dentelle, j'adore. Ça me fait rappeler un pull de chez Cézanne que j'avais essayé de copier il y a super longtemps, il y a genre 5-6 ans. Enfin, j'avais retrouvé dans mes vieux restes de laine un échantillon qui ressemble quasiment à ce motif-là. Et ça ressemble à un motif d'un pull Cézanne. Donc, ouais, j'adore. Voilà, pour ce premier projet en cours. Deuxième projet en cours que pareil, enfin, je n'en avais jamais parlé.
c'est le malabar de du steel knitting. Alors là, j'ai pas le patron imprimé parce que parce que moi je fais tout avec mon téléphone. Mais c'est le nouveau un des nouveaux designs de du steel knitting qu'elle a sorti. Bah, c'était autour du laine en or parce que je me souviens, j'avais croisé Valérie de Web qui le portait et je lui ai dit mais c'est quoi ton top, il est trop beau. Elle m'a dit c'est un nouveau design. Donc j'ai dit ah ouais, bah alors je le garde en mémoire parce que celui-ci je l'adore. Et j'avais acheté en fait en prévision de top d'été, mais j'avais pas un projet spécifique associé. Je savais juste que voilà, j'avais vu plusieurs projets avec à peu près le même métrage, donc j'avais plusieurs possibilités dans mes favoris, mais j'avais pas associé tout de suite un projet. Donc j'avais acheté chez Le Fil de Sidonie du Tencel. C'est la première fois que j'achète ça. Mérino Tencel, c'est le coloris Sable d'Olonne. Parce que là c'est plus lisible. Voilà, donc j'en ai pris deux échevaux et en termes de rapport qualité-prix, je trouve que c'est, enfin en tout cas chez Le Fil de Sidonie et également chez Florence du Steel Knitting, elle en fait c'est une designeuse mais aussi une teinturière. On est sur des échevaux à 20 euros. Voilà, donc c'est vraiment une fibre qui est intéressante pour ça parce qu'on n'est pas sur un projet trop onéreux, même si 20 euros c'est quand même une somme, hein, on s'entend, mais comparé à d'autres bases, c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir des échevaux un peu moins chers. Après, on est sur de la sport, on est sur 33 mètres pour 100 grammes, donc c'est vrai qu'on a un peu moins de métrage. Mais pour un top d'été, moi dans deux échevaux ça passe. Ouais, deux échevaux ça passe et du coup j'ai commencé le malabar. Alors normalement on devait le commencer le 1er juillet avec plusieurs filles, donc il y avait Mélanie des Aiguilles Aventurières, il y a qui, je sais plus, il y a Sabrina, en fait c'est Sabrina Choupi qui a à l'initiative de ce cal, je sais plus, j'ai pas en tête toutes celles qui participent à ce cal. Bon, on est plusieurs et en fait moi ce week-end je participais à un tricoté avec, enfin un tout petit tricoté avec ma belle-mère, ma chef Karine et puis une tricopine Marion, et donc j'avais envie d'avoir un projet qui soit zéro cerveau et j'avais pas de projet zéro cerveau là monté actuellement, donc j'ai monté cette semaine le début du calme à la barre. Enfin, du malabar, pardon, qu'on fait en cale. Mais voilà, j'ai juste commencé. Puis j'attendrai les filles pour vraiment l'avancer. Donc j'ai fait l'échantillon. Et vous voyez, il y a des variations de couleurs. J'adore, c'est vraiment trop beau. Voilà. Et donc, pour ceux qui débarquent, moi, je fais des jetés au début de mon échantillon pour savoir en quelle taille d'aiguille je tricote mon échantillon. Parce que des fois, ça m'arrive de voir que ça ne va pas. Donc, je fais un rang de points mousse et j'enchaîne sur une autre taille d'aiguille. Et donc, sur un même échantillon, je peux utiliser deux tailles d'aiguille. Et au moins, je sais quelle partie de mon échantillon. Et même là, par exemple, cet échantillon, en quelle taille d'aiguille je l'ai faite. Donc, je me suis... J'ai posé comme convention que là, le premier rang, je faisais le premier chiffre de la taille d'aiguille, donc soit 3, soit 4, soit 5. Et au-dessus, je faisais les demi et les quarts de taille. Donc là, sur du 3, on a des quarts de taille. Donc le premier jeté, là, en face du premier, là, à gauche, ouais, c'est 0,25, au milieu, c'est 0,5, et tout à droite, c'est 0,75. Donc si j'avais eu mon jeté du deuxième rang au-dessus, là c'était du 3,75 par exemple. Donc voilà, ça me permet d'avoir un suivi sur mes échantillons, parce que des fois j'aime bien revenir sur des échantillons que j'avais tricotés il y a plusieurs semaines ou il y a plusieurs mois et voir un peu en quelle taille d'aiguille je tricote quelle fibre, vous voyez.
Et donc là, j'avais essayé en 3,5, donc ce qui est préconisé dans le patron de Florence. Mais j'avais tout de suite vu que le tissu ne me plaisait pas. C'était beaucoup trop aéré, beaucoup trop déjaugé. Donc j'ai direct tout détricoté et j'ai relancé mon échantillon en 3, en 3,25. Donc c'est pour ça que j'ai fait qu'une taille d'aiguille. Mais en fait, quand j'hésite entre deux tailles, je fais des demi-échantillons. Donc là, j'aurais fait 3,5 et au-dessus 3,25. Mais comme ici, là, dans ce cas, dans le cas présent, je savais déjà d'emblée que 3,5, c'était beaucoup trop lâche. J'ai même pas cherché à comprendre et j'ai tout détricoté. Et là, en 3,25, je suis encore pas dans l'échantillon. En fait, l'échantillon, c'est 26 mailles et j'ai 25 mailles. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je tricote une taille en dessous pour être sûre que ce soit pas trop beaucoup trop grand, quoi. Voilà, donc je le tricote en taille 1. Et donc je l'ai commencé, bah, j'ai quand même. Finalement, j'ai quand même bien avancé parce que c'est quasiment que du jersey, donc c'est du zéro cerveau. Mais là, je vais me concentrer peut-être sur d'autres projets par ailleurs. Voilà, ça va moins avancer. Mais j'avais besoin d'un projet zéro cerveau pour ce week-end. Et puis, parce que j'ai des projets qui sont un peu plus compliqués, qui vont bientôt monter sur mes aiguilles. Donc voilà, je voulais vraiment ce projet-là maintenant, quoi. Donc voilà où j'en suis, ça ressemble à rien du tout. Voilà, ça ne ressemble à rien, mais j'ai fait ça. Et alors, en termes de construction, c'est un projet qui est hyper facile. Et pour le coup, pour un premier projet, vous pouvez y aller, quoi. Parce que on monte des mailles, il n'y a même pas de côte, il n'y a rien du tout. On fait du jersey, on fait un point de rang envers. Et ensuite, on a des rangs raccourcis. Donc, le point technique, là, le plus compliqué à l'heure actuelle, c'est les rangs raccourcis. Et puis, on a des rangs d'augmentation. Mais du coup, enfin, c'est qu'un seul type d'augmentation qui sont répartis tout le long du rang. Donc, c'est pas compliqué du tout. Donc, vraiment, pour un premier projet, vous pouvez y aller. Enfin, après, à voir parce qu'il y a une bande de. Enfin, il y a un nœud en bas. Donc ça, à voir si c'est débutant compatible, mais en tout cas, le projet, enfin le début du projet est débutant compatible. Voilà. Donc voilà mon début de mon projet. Il y a Mélanie qui a beaucoup plus avancé que moi, donc si vous voulez aller voir ce que ça donne, ben vous pouvez aller voir. Et d'ailleurs, ah oui, je voulais vous montrer. Regardez ce que j'ai eu comme cadeau de la part de la fille. Enfin, c'est ma chef qui a demandé à sa fille de faire. Ce contre-rang, il est juste, il est trop beau quoi. Donc c'est un petit microscope avec un virus. Et en fait, je travaille en virologie. Donc c'était vraiment pile poil ce qu'il fallait quoi. Je vais vous montrer. Et puis, il y a un brin d'ADN. Et en fait, elle me disait qu'elle avait acheté tout le matériel nécessaire pour. Pour faire ça sur AliExpress. Donc on a des sachets avec des gros anneaux, des sachets avec des petits anneaux, et puis après il y a les petites breloques là qui viennent séparément, et il faut une pince et assembler ça, et puis elle a acheté aussi des anneaux différents là. Hop. Je sais pas si on voit là. Celui-ci. Voilà, et elle me dit que c'était plutôt facile, enfin si vous avez déjà fait des bijoux, c'est plutôt facile. Moi j'en ai jamais fait donc je sais pas trop. Mais elle me disait que sa fille en deux temps, trois mouvements, elle l'avait fait ça. Donc clairement, elle pourrait ouvrir une boutique et nous on serait ravis. Hein. Et voilà, je suis trop contente, il est trop bien. Et puis en termes de taille d'anneau, c'est vraiment parfait quoi. Ça va bien pour les land fingering. Donc voilà, je m'attarde pas plus que ça pour l'instant parce que c'est vraiment le tout début du projet. Juste, ah oui, pour la laine, j'adore. Vraiment, c'est la première fois que je tricote du mérino tencel et ça a une douceur. Oh, c'est vraiment super doux, quoi. Et ça a un drapé aussi, je pense que ça va être hyper agréable à porter. Vraiment. Voilà, donc pour mes projets en cours. Ouais, je pense qu'on a terminé. Voilà. Donc, on va passer au projet à venir. En fait, j'ai deux projets à venir enfin, dont je voulais vous parler, mais j'ai pas la laine pour un des deux projets. Voilà.
J'ai oublié de vous dire, mais en fait, pour le top Kadakès, j'ai fait la version droite et j'ai pas fait la version évasée. Ça vient de me revenir là, juste maintenant, donc je vous le dis. Alors, projet à venir, donc j'en ai deux. Le premier projet à venir, c'est le gilet Millie dont je vous avais parlé, je pense, il y a au moins deux épisodes de ça. En fait, j'attendais la fin du calcamé et puis la fin de mes vacances pour monter ça parce que on va tricoter en duo avec une tricopine, voilà, que j'ai rencontrée sur Instagram, donc ça va être super cool. Et on s'était calé ensemble début juillet, je pense. Donc on va le commencer demain. Et donc j'avais déjà fait mon échantillon, je vous l'avais montré. Donc ça va être un gilet avec un point de dentelle. Et tricoté en jersey en verre. Hop, et donc j'avais acheté au Ch'ti Bazar de printemps la base plume de chez Eline Hélène. Voilà, dans son coloris Tequila Sunrise. Coloris sur lequel j'avais craqué depuis longtemps. Déjà au Ch'ti Bazar de novembre, je l'avais repéré, je pense. Je crois que c'était celui-ci. Et puis, c'était sur le podcast de L'eau demoiselle que... Ouais, qui avait fini de m'achever, quoi. Il est vraiment trop beau, ce coloris. Mais comme il est vachement nuancé, d'ailleurs, en cake, on voit bien. Il est vraiment trop beau, le cake. Hein. Oh, j'adore. Donc, comme c'était vachement nuancé, moi, je voulais un projet en jersey en verre parce que je trouve qu'en jersey en droit... Ça, c'est moins joli. Vous voyez les variations là de couleurs. Moi, je suis moins fan. Alors qu'en jersey en vert, je trouve que c'est beaucoup plus fondu. C'est vraiment très beau, quoi. Voilà, donc ça en gilet. Ça va être beau, je pense, hein, non? Ça va être trop beau, je pense. Voilà, mais par contre, sur le gilet mini, en fait, il y a l'encolure qui est faite en... En ger... Enfin, je sais plus, en... c'est une pâte qui est repliée sur elle-même, donc ça fait une surépaisseur. Et en fait, comme le fil est assez épais, je sais pas si je vais faire la même finition que préconisée dans le patron. Enfin, je vais voir. Voilà, donc ça, c'est le prochain projet que je vais monter, bah, demain, parce que là, aujourd'hui, on est le 30 juin, ça sera demain. Et j'ai un autre projet que je voulais monter avec Corinne de la chaîne La Provinciale. C'est le gilet coquille, mais j'ai pas la laine. En fait, elle a été expédiée, je pense, la semaine dernière et ça va arriver cette semaine. Il y a eu un peu de retard. C'est des laines de chez Pauline Bulbe Bizarre. Donc, j'avais commandé de la Suri dans son coloris velours. Son magnifique coloris velours que j'adore. Et donc, elle a eu du retard sur ses commandes. Donc, elle a expédié ça la semaine dernière. Donc, normalement, j'ai eu le mail. Mondial Relais, donc je vais devoir le recevoir dans les prochains jours. Donc il faut que je me cale avec Corinne pour qu'on fasse ensemble ça. Voilà, et puis je pense que pour l'instant, je n'ai pas d'autres projets à venir, je réfléchis. Non, je pense que là, pour l'instant, c'est déjà pas mal parce que du coup, je vais tricoter trois projets en même temps. Il y a celui-ci, mais celui-ci, on va le tricoter peut-être un peu plus sur le long terme parce que comme c'est une fibre un peu... doudou, hivernal, ben finalement c'est pas trop grave si on l'a pas tout de suite. Donc celui-ci, je vais peut-être le mettre, le tricoter vraiment lentement. Et en plus, la fibre de mémoire, j'avais du mal à la tricoter. Donc je pense que c'est un fil avec lequel je vais avoir mal aux mains. Donc je vais prendre mon temps avec ce projet-là. Donc il y aura le projet coquille, le gilet coquille avec Corinne. Et puis il y a le Malabar du Justin Eating, mais lui ça roule comme sur des roulettes, donc ça va aller, ça c'est sûr. Mais c'est bien d'avoir un projet comme ça facile à côté. Enfin, si jamais j'ai mal aux mains, je préfère alterner maintenant, même si j'aime bien me focaliser sur un projet. Là, je sais que je vais avoir trois projets à gérer, donc. Mais voilà, le Malabar, je sais que c'est quasiment du zéro cerveau, donc c'est comme avoir une chaussette. À côté quoi. Pour les chaussettes d'ailleurs, je vous ai pas remontré, mais je tricote la même chaussette là pour le coup. Les chaussettes, j'ai pas trop de. Comment dire? Je me mets pas la pression, c'est vraiment un projet que je fais quand je peux, quand je veux. Voilà, enfin. Voilà. Je pense qu'on a terminé avec tout ce que je voulais vous dire. Je pense que je vais finir là le podcast parce que je suis un peu fatiguée.
Donc je vais monter déjà tout ça et puis la prochaine fois je vous reparlerai des lectures. Là je pense qu'il y a déjà vraiment beaucoup d'informations dans cet épisode de podcast. C'est vrai que j'ai pas fait de partie blabla au tout départ, mais ah oui, je voulais revenir sur le laine en or. Je vous remercie parce que je pense que je suis pas revenue. En fait, ça a été vraiment une période assez intense pour moi depuis le laine en or. Alors, je pense que je suis pas revenue en podcast, mais je voulais vous remercier parce que vous avez été pas mal à venir me voir et me dire bonjour. Ça m'a fait trop plaisir. Vous étiez vraiment trop chou, quoi. Donc, je vous fais à toutes, parce que vous étiez que des filles. Je vous fais à toutes de gros bisous, toutes les filles qui sont, ouais, qui ont pris le temps de m'interpeller et de discuter avec moi. Ça a été vraiment de chouettes rencontres. Alors, je me souviens pas de tous les prénoms, mais je me souviens de tout le monde. En tout cas, vraiment, c'était avec chacune, j'ai vraiment bien discuté. On a pris le temps et donc c'était vraiment cool. Donc le laine en or, ça a été incroyable, enfin, de rencontrer les teinturiers, de parler avec eux. Même s'il y avait du monde, c'était quand même à échelle humaine et donc on avait le temps un peu d'échanger quelques mots avec les teinturiers. Donc j'ai pu rencontrer Pauline de Bulbe Bizarre, c'était trop chouette. Son stand était incroyable. Il y avait les laines de Sidonie. Ouais, c'est ça, c'est le fil de Sidonie. C'était trop chouette. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup aimé la teinturière. Je sais pas comment elle s'appelle, si elle s'appelle Sidonie ou pas. Mais vraiment très 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 agréable comme rencontre. Il y avait Wouliette aussi. Lucia, je pense. Vraiment un bonbon, cette femme. C'était. Et puis ces laines sont incroyables, vraiment les coloris plus beaux les uns que les autres, quoi. Donc c'était trop trop bien. Il y a bah, les aiguilles du hérisson que j'ai découvert. Enfin, et même il y avait des laines plus rustiques. Moi je tricote pas trop de laine rustique, mais j'ai quand même. Enfin, j'étais quand même curieuse et donc j'ai échangé avec plusieurs teinturiers sur sur leur travail et tout. Donc c'était trop trop bien. Donc ça, c'était ouais, le laine en or. J'en garde un souvenir incroyable. Et puis, enfin, les salons, de manière générale, dès qu'on ressort de ce genre d'événement, on ressort avec plein de bonnes ondes. C'est trop, trop bien. Et puis après, quand je suis revenue de vacances, il y a eu... En fait, je suis revenue le jeudi. Et le vendredi, il y avait la rencontre, enfin, la vente éphémère de Pauline chez Une Tasse de Fil et d'Aiguille. Oh, désolée, mon cerveau, il commence à bugger, là. Et c'était trop bien là, vraiment. Je suis restée un moment l'après-midi, donc j'ai vraiment pu échanger avec Pauline. C'était trop, trop, trop bien de revoir Justine et tout. Enfin, on a passé un chouette moment. Donc voilà. Donc j'ai pris de quoi lui faire un sample. Je vous montrerai ça la prochaine fois. Ça va être trop chouette. Et parce qu'en fait, pour vous dire, en fait, Olène en or, elle est venue me voir. Enfin, elle était trop chou, vraiment. Elle était toute émue et tous les yeux qui brillaient. Enfin, et donc elle m'a dit, ah, si tu vois un combo pour le sample, n'hésite pas parce que je n'ai pas d'idée. Ah, je dis, ah, d'accord. Eh ben, écoute, tu me prends dépourvu là. Je n'ai pas d'idée non plus. Donc, je préférais vraiment réfléchir à un projet. Plutôt que de prendre sur un coup de tête. Donc voilà, donc j'ai attendu pendant les vacances, j'ai réfléchi et tout, et puis on s'est mis d'accord sur un projet, donc je vous montrerai ça cet été. Voilà, donc ben c'est tout, je crois que je vais vous quitter pour cette fois-ci. Merci à tous vraiment pour vos commentaires, vos messages, vous êtes vraiment, mais juste. Enfin, ça me fait vraiment du bien d'avoir toute cette positivité autour de moi. Je trouve que vraiment la communauté tricot est, en tout cas, de manière générale, même si c'est peut-être pas à 100% des personnes, mais enfin, il y a quand même une bienveillance qui émane de cette communauté tricot, de la bienveillance et de la gentillesse, et donc ça fait du bien, vraiment. Merci. Donc restez comme vous êtes, tricotez bien, faites-vous plaisir avec tous les loisirs créatifs qui vous font plaisir, et puis on se revoit, j'espère, pas dans un mois. J'espère plutôt. Normalement, au mois de juillet, ça va être un peu plus calme parce que là, c'est vrai qu'avec mes vacances et puis après, j'ai beaucoup de travail. Enfin, en ce moment, le travail, ça. C'est assez intense. Normalement, au mois de juillet, ça devrait être un peu plus cool. Donc, je devrais revenir un peu. Enfin,
plus rapidement que la dernière fois en tout cas. Donc, bah, je vous dis à la prochaine. Ciao!